Hey, salut, ici Master Brutal pour le site Factory.com. J'espère que vous allez bien. Là, on va parler du jeu Timothy's Night. Bon, c'est possible que vous connaissiez ce jeu-là sous un autre nom. J'y reviendrai vers la fin de la vidéo. Avant d'aller plus loin, on y va avec les informations générales du jeu. Donc, c'est un jeu de style action-aventure. Le développeur, on parle de Wild Sphere. Pour ce qui est de l'éditeur, c'est également Wild Sphere. Le jeu est disponible sur PlayStation 5 uniquement. Est-ce une exclusivité à proprement dit? On y reviendra vers la fin de la vidéo. L'espace requis, 2,36 Go sur le SSD. Pour ce qui est de l'essai, évidemment, je l'ai fait sur la PlayStation 5, car cette itération du jeu n'est disponible que sur la PlayStation 5. Je l'ai déjà mentionné, ça. Au niveau de la version du jeu, c'est la version 1.002. Donc, voilà. On voit très rapidement, de par la facture visuelle, que le développeur reproduit l'ambiance des films noirs des années 40-50. Hein, vous savez, les films de gangsters et de détectives privés. Bon, peut-être que vous vous souvenez, pour les plus vieux, comme moi, on a eu notre propre série dans le style, ici même, au Québec. Pour ce qui est de l'histoire, eh bien, vous jouez le rôle de Timothy, qui est un gangster qui contrôle la ville de Little Fish. Timothy possède un pouvoir particulier. Bon, il n'est pas si particulier que ça, là, mais bon, vous allez comprendre rapidement. Étant jeune, il a été enlevé par des extraterrestres. Ceux-ci lui ont conféré un pouvoir qui permet de ralentir le temps pour, justement, mieux viser et faire feu sur ses ennemis. Ici, j'ai nommé le Bullet Time. Oui, mesdames et messieurs, Timothy possède le pouvoir du Bullet Time, tout comme Max Payne et plein d'autres personnages de jeux vidéo. Bon. Tout d'un coup, sans crier gare, eh bien, la planète Terre est envahie par des extraterrestres. Et la seule personne qui semble être en mesure de sauver la planète, eh bien, c'est Timothy avec son pouvoir de Bullet Time. Donc voilà, voici l'histoire. C'est un jeu de style bac à sable, donc il vous sera possible de voyager librement à travers la ville de Little Fish. Sachez cependant que la ville, elle est relativement vide, il y a très peu de vie, hormis vos ennemis qui se baladent librement à travers la ville. Vous allez rencontrer quelques personnages, mais ils sont très peu nombreux, et ils sont tous directement reliés à la quête principale. Bon, hormis un, je crois qu'il n'y a qu'un seul individu qui vous offre une quête secondaire, c'est tout. Le reste, entièrement relié à la quête principale. Bon. Il vous est possible de conduire des véhicules, donc des voitures et autre chose. Mais l'ingénieur civil qui a dessiné les plans de la ville était pour sûr complètement bourré quand il l'a fait. Il a fait une job dégueulasse. Les rues sont étroites, sont pleines d'obstacles et les angles au carrefour sont vraiment, c'est pas du 90 degrés là, c'est du gros n'importe quoi. Ouais. Voyager à pied. La ville n'est pas très grande, donc voyager à pied, that's the way to go. Il vous sera possible, évidemment, de vous battre contre les extraterrestres. C'est le but du jeu. En tout cas, un des buts du jeu. Pour ce faire, vous allez avoir accès à une panoplie d'armes différentes. Par défaut, vous allez utiliser un revolver qui vous offre la possibilité, justement, d'avoir des recharges à l'infini. Donc, vous n'avez pas à compter vos balles. Cependant, le rythme de feu est très lent et les recharges sont excessivement lente aussi. Donc, dès que ça va vous être possible, eh bien, commencez à utiliser d'autres armes, comme par exemple une mitraillette de type Thompson ou un fusil de chasse de calibre 12.
ou peut-être même des grenades. Parce que oui, il y a des grenades dans le jeu. Cependant, pour ce qui est des autres armes que votre revolver de base, vous allez devoir compter vos balles parce que elles ne sont pas infinies. Vous allez pouvoir en acheter, vous allez pouvoir en retrouver éparpillé un petit peu partout dans la ville. Mais il va falloir faire attention et pas faire feu. À tout feu, tout flamme, n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quelle raison. Conservez vos balles. Ensuite de ça, bon, Timothy peut sauter et courir. C'est à peu près, hormis son bullet time, c'est à peu près les deux choses qu'il va pouvoir faire. Ça va vous aider justement à traverser certains obstacles lors de résolution d'énigmes. Ici, bon, j'ai de la misère à utiliser résolution d'énigmes parce que ce ne sont pas réellement des énigmes, c'est plutôt de la recherche à travers la ville. Donc, vous allez être appelé à grimper sur les toits de certains buildings, de passer d'un immeuble à l'autre à l'aide de grues, à l'aide pour passer d'une plateforme à l'autre, et ainsi de suite. Donc, voilà, il va falloir chercher un peu partout pour retrouver des items nécessaires à votre quête principale. Ça se fait bien. Les mécaniques de jeu sont quand même solides. Ça, je n'ai absolument rien à redire. Au niveau du graphisme, eh bien, il est simpliste. De style cartoonish un peu, mais très bien aussi. Okay? Ça n'a pas besoin d'être hyper évolué pour ne pas être efficace. C'est simple et efficace. Aussi, l'aspect visuel dépeint très bien l'ambiance des films noirs que le développeur veut inculquer à son jeu. Donc ça, chapeau, c'est très très bien réussi. Ce qui est important aussi, c'est que malgré l'aspect noir et blanc sombre du jeu, eh bien, il y a des éléments en couleur qui sont qui nous sautent aux yeux. Et comme par exemple les extraterrestres. Les extraterrestres sont en couleur, mais en couleur excessivement vive, voire pratiquement fluo-luminescent. Donc, évidemment, ils détonnent beaucoup dans l'ambiance très noire du jeu, et ça nous permet de les identifier très, très, très rapidement du coin de l'œil sans nécessairement les regarder de face. Pour ce qui est de la musique, elle est excellente. Les 30 premières minutes. Parce qu'après ça, c'est toujours la même musique, pratiquement en boucle. La qualité, elle est très bonne. Encore là, l'immersion est superbement bien amenée au niveau sonore de par la musique. Cependant, on se lasse rapidement parce que la trame musicale n'est pas suffisamment longue. Donc, on nous la ramène en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Après, les sons. Le bruitage, il est bien, cependant, il n'améliore pas, mais il ne brise pas non plus l'immersion. On est entre deux, il passe relativement bien, donc j'ai pas grand chose à dire au niveau des sons. Sachez que il y a des messages radio, parce que oui, la musique est une chose, et c'est comme si vous écoutiez un poste radiophonique. Et il y a un annonceur qui va parler de façon assez régulière. Cependant, sachez qu'il n'y a que deux messages. En tout cas, moi, je n'ai perçu que deux messages différents de cet annonceur-là qu'on entend relativement régulièrement. Donc, ça fait un peu bizarre de toujours entendre les mêmes messages radiophoniques. J'aurais aimé ça qu'il y en ait un petit peu plus. Un peu plus de diversité, j'y reviens tout le temps, mais je trouve que c'est important. Ensuite de ça, les voix des personnages. Eh bien, ils n'ont pas de voix, les personnages. Le jeu est entièrement sous-titré. Il est uniquement sous-titré en anglais. Soyez avertis. Et les personnages, eh bien, n'ayant pas de voix, tout ce que vous allez voir, c'est des mouvements de bouche, mais il n'y a pas de son qui sort. Weird. J'aurais aimé ça, au moins, inventer un langage. Ça, c'est pas grave. Créer un babillage au niveau de vos personnages, mais de grâce, mettez une voix à vos personnages, même si ce ne sont pas des mots réels qui sortent de leur bouche. Super.
Le jeu est solide. Le jeu est vraiment solide. Les mécaniques fonctionnent bien. Je n'ai pas eu de crash, je n'ai pas eu de problème. J'ai eu du plaisir pendant le temps que le jeu a duré. Est-ce que j'y rejouerai? Non. Il n'y a pas de rejouabilité au niveau de ce jeu-là. C'est un genre consommé et jeté. Mais quand même un bon consommé. Une fois que c'est terminé, on n'y revient plus. Chose que j'ai trouvé particulièrement bizarroïde, c'est que je vous ai mentionné en début de vidéo que le jeu, vous pouviez peut-être le connaître sous un autre nom. Et cet autre nom est Timothy vs. The Aliens. C'est que au début, je croyais, dur comme fer, que le jeu était une exclusivité PS5. Pour faire vendre des PS5, même s'il n'y en a pas. Eh bien non. Le jeu n'est pas réellement une exclusivité. Il est déjà paru en 2018-2019 sur d'autres plateformes. PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, etc. Probablement Xbox aussi. Sous le nom de Timothy vs. The Aliens. Là, on nous le présente exactement le même jeu, avec un niveau visuel peut-être un peu amélioré, comme étant Timothy's Night. Je trouve que c'est trompeur. Je trouve que c'est presque... On est sur le bord de la mauvaise foi. Pour ceux qui ont joué à Timothy vs. The Aliens, peut-être qui ont adoré le jeu, se sont dit en voyant Timothy's Night, « Hey, c'est la suite! » Et se le sont procurés au prix de... Se sont procurés le jeu au prix de 29,49 sur PlayStation 5. Même jeu sur PlayStation 4, 13,49. Ouais, ta gueule, Max. Je suis pas sûr que ça 16$ de différence justifie une petite amélioration visuelle du jeu. Pas sûr. Mais ça, c'est votre décision. Moi, je ne fais que vous le mentionner. Et voilà, je n'irai pas plus loin. C'était Mastabruta qui vous dit à la prochaine. En passant, Doom, pour ce qui est du défi, ça va être dans l'autre vidéo. Salut! Mais c'est pas encore toi! Mais patron! Ta gueule! Patron, écoute! J'en ai assez! Je suis c'est Winnie fini, Black. Connerie! Je suis ça Winnie suffit. Black! Vous n'êtes plus mon patron. Patron. Putain! Petit merdeux! Qui êtes-vous?